Bonjour les amis, Alexandre ici pour une petite vidéo démonstration, tutoriel, cours, enfin, comme vous le voulez. Et ce sera sur mon oracle Pellucid ou le Pellucid Oracle. Donc c'est un jeu qui est bilingue, anglais-français, de 52 cartes. Et il est décomposé en deux groupes, donc un groupe de 36 cartes qui représente les symboles du petit Lenormand. Vous avez la carte de cartomancie ainsi que le chiffre attribué sur chaque carte. Et avec cela, vous avez 16 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartes supplémentaires qui n'ont pas de chiffres, qui n'ont pas de cartomancie, ils ont juste un nom, français, anglais, sur différents symboles. Et c'est des symboles qui me parlent beaucoup, et c'est des choses que je vois aussi à travers mes oracles. Donc j'ai voulu mettre cela dans le Pellucid, d'accord? Donc vous avez le guidebook, ou le livret, qui est un livret en couleur. Vous allez voir qu'il commence par l'anglais, d'accord, mais pour vous francophones, il faut continuer encore. Et vous avez la partie français, où je vous explique un peu le petit Lenormand, qu'est-ce que c'est. Je vous donne la signification des cartes du petit Lenormand, les mots-clés, ainsi que les cartes supplémentaires, commençant par la numéro 37, l'abeille. Et je viens de me rendre compte que la carte 39, ici j'ai mis le crabe, mais ça c'est pour un autre oracle. Au fait, la carte numéro 39, c'est la carte de l'ange, d'accord? Donc, vous avez toutes les significations de ces cartes-là, d'accord? Comment les utiliser? Alors, il y a différentes façons, c'est comme faire un, c'est comme faire une tarte, hein. On a la recette de base qui sera le petit Lenormand. Et après, si on veut mettre de la cannelle, si on veut mettre du sucre semoule, si on veut mettre de l'essence de vanille, si on veut que ce soit en morceaux, en compoté. Donc, c'est vraiment à vous de faire d'après votre ressenti. C'est un oracle que j'ai créé pour que ce soit, déjà fun, d'accord, parce que les couleurs, elles sont vraiment belles, les illustrations, elles sont vraiment belles, elles évoquent vraiment ce côté intuitif. Et je l'ai fait mini parce qu'il y a beaucoup de cartes et on va faire des grands tableaux, on peut faire des grands tableaux et il faut de la place quand même. Et pour vous dire que aussi je l'ai créé un peu pour moi parce que je voulais avoir un peu de jolies cartes parce que je fais beaucoup de grands tableaux sur vidéo avec en consultation. Et je veux que le visuel soit beau, quoi. Donc, j'ai aussi créé ce petit jeu pour moi. Et j'ai aussi pensé à vous en même temps. Donc, je vais vous expliquer comment on pourrait, par exemple, interpréter, utiliser cet oracle. Donc, on peut très bien mélanger les deux jeux. D'accord, mélangez les deux jeux et après vous faites vos tirages par exemple à trois cartes. Admettons que vous avez la faux, vous avez, on tient une carte là-dedans, vous avez la lampe et vous avez, voilà, les oiseaux. Donc vous pouvez très bien interpréter, la lampe c'est la carte de la lumière, c'est la carte qui représente un peu, l'espoir, l'inspiration, le réconfort. Et aussi, c'est une carte qui nous montre que vous avez aussi perdu un peu le chemin, d'accord? Et pour cela, il faut, pour retrouver la bonne direction, le bon chemin, il faut peut-être taire, couper ces voies, couper ces choses qui vous semblent négatives, ces paroles qui vous blessent, d'accord? Donc ça, c'est un moyen d'utiliser, de mélanger le tout et de faire des tirages comme ça. Ce que j'aime faire aussi, moi, par exemple, c'est quand on ferait avec le tarot de Marseille, on aurait ça, ce serait les majeurs, les 36 cartes du petit Lenormand. Donc, on va dire, par exemple, je pose une question, est-ce que je vais avoir ce contrat? Donc, je tire trois cartes de l'oracle du petit Lenormand et je peux aussi, par exemple, tirer trois cartes, les cartes extra, et pour avoir un peu plus de, comment dire, de punch, de ressenti. Donc voilà.
Et on va toujours voir que les cartes, elles, se parlent entre elles, peu importe le système, peu importe la structure. Par exemple, j'ai demandé, est-ce que j'aurai ce contrat? Déjà là, au centre, je vois qu'il y a de la vitesse. Les choses vont aller très vite. Et il est confirmé ici par la carte de la flèche. La carte de la flèche me montre les objectifs que j'ai en vue et sur quoi je dois garder les yeux. Ici, on me montre que j'ai la chance. Et le lapin, ici, lui, c'est une carte qui représente un peu la chance aussi, le pouvoir magique, le succès, l'abondance, la passion, la fertilité. Donc, les choses grandissent, les choses se multiplient. Et ici, avec les poissons, qui est une carte aussi de transaction, on retrouve ce côté multiplication, ce côté prospère. Et avec l'ange, bien sûr, on est sous des bons augures, on est protégé, voilà, on est protégé. Donc voilà comment on peut aussi utiliser ce petit oracle pour, par exemple, des fois ça arrive qu'on fait le grand tableau. Par exemple, on va vite faire, je vais vite vous étaler un grand tableau. Donc voilà, j'ai établi un grand tableau. On va prétendre que c'est un tirage affectif. Cette dame veut savoir si, par exemple, il y a un avenir entre lui et elle. D'accord? Si vous avez suivi mes cours sur le grand tableau, vous savez que tout ce qui est à droite de la carte du consultant représente le futur. D'accord? Et pour la dame, on voit ici là, le soleil, le lys et la cigogne. Je peux lui dire qu'il y a le soleil, les choses vont s'améliorer, mais il faut de la patience. Ce n'est pas un petit parcours. Il faut vraiment de la patience. Mais pour le monsieur, lui, on ne sait rien. Il est vraiment sur la ligne, la dernière ligne. Il y a tout le passé, mais on n'a rien au niveau du futur. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire par exemple, on prend trois cartes que je vais mettre juste après le monsieur et ça va être son futur. Et là, ici, je peux dire avec conviction que ne vous inquiétez pas, cette relation, elle est protégée par l'ange. Avec la carte des amoureux, il y a une union, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Et la coupe, bien sûr, c'est la coupe de la célébration. La coupe montre aussi que c'est un bonheur, qu'elle peut aussi également une grossesse. Elle peut aussi représenter dans le corps humain l'utérus de la femme. Donc, on voit ici que les choses vont dans un avenir en s'améliorant. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser ce magnifique oracle pellucide, d'accord? Oracle pellucide, pareil. Donc, j'ai aussi un autre petit jeu que je vais vite vous montrer, qui s'appelle l'indélébile Lenormand. Donc, celui-là, il est beaucoup plus soft, beaucoup plus doux. Certaines personnes diront qu'ils sont girly, mais moi je trouve que j'ai toujours eu la sensation que les couleurs pastel, le mélange de couleurs, comment dire, ce mélange crémeux, nuageux, cette nuance, c'est comme quand moi j'ai mes visions, ça se passe toujours dans une atmosphère un peu, on va dire, floue, mais pas floue pour dire que c'est noir, hein, mais il y a comme une atmosphère vaporeuse, on va dire. Et ces cartes-là représentent bien la façon que je vois quand des fois ça arrive qu'une personne me parle, j'ai une vision d'une bague, ça va être comme ça. Donc je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se met en place, il y a un accord, il y a un oui, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, donc ça c'est pour l'oracle Pélucide et nous allons vite passer à l'oracle Indélébile. Alors, l'oracle indélébile, pareil, vous avez le guidebook de 30 pages, moitié anglais, moitié français. J'adore cet oracle parce que si l'autre paraît un peu, on va dire, girly, celui-là, il est beaucoup plus boyly, boyfriend, on va dire, beaucoup plus garçon parce que ce sont en vérité des tatouages. D'accord? Donc vous avez pareil 36 symboles du petit Lenormand. Vous voyez, c'est gros, on comprend bien. Et pour les grands tableaux, surtout si vous faites des vidéos, c'est parfait. Et vous avez les cartes en extra
J'ai rajouté une carte bleue, comme dans les oracles de Béline et tout ça, parce que j'ai voulu, voilà, cette carte-là, vous lui donnerez l'interprétation que vous voulez, ou sinon elle peut très bien être mise à part et vous pouvez l'utiliser par exemple pour remplacer une carte, soit qui s'est abîmée, soit qui s'est perdue. Donc ici aussi, pareil. On peut faire comme je l'ai montré, pareil, on tire trois cartes. Voilà, la dame demande à propos de son nouveau job. Donc on voit ici qu'il y a un travail qui s'annonce. D'accord? Donc je dirais même que c'est un CDI parce que le diamant, c'est éternel. Le diamant, c'est quelque chose qui dure très longtemps. Et avec le renard ici, on voit que c'est un travail qui va durer longtemps. Mais il faudra qu'elle se décide vite. Par exemple, elle me pose la question, est-ce que je dois prendre ce nouvel emploi? Ici, on voit que la dame a une nouvelle proposition d'emploi et que peut-être il faut qu'elle tente sa chance, il faut qu'elle ose un peu. On a ici la carte du diable qui est, on va dire, à peu près comme la carte du diable dans le tarot. C'est ce qui représente la peur, les limites, les aspects négatifs de soi. C'est aussi l'intelligence, la ruse, la tromperie. Donc voilà, donc ce sont ces cartes-là. Et on vous dit, ici, il faut décider. Donc voilà comment vous pouvez utiliser ces petits oracles, ces petites cartes en extra, pour vraiment donner un côté innovateur à votre tirage du petit Lenormand. On reste dans le traditionnel du Lenormand, mais on rajoute un peu de nuance et un peu de fun dans cet oracle. Alors pour le Pellucide, vous avez aussi une version micro, vous voyez, ça fait à peu près la moitié des cartes mini, d'accord. Ce qui est bien avec ce petit mini, c'est que voilà, il peut être emporté partout, c'est un oracle qui est complet, mais par contre, il ne contient que les 36 cartes du Lenormand. C'est un Lenormand, ce n'est pas un oracle Pellucide, c'est un oracle Lenormand, et vous pouvez aussi, par exemple, les utiliser avec vos breloques. Voyez, elles font la bonne taille. On peut étaler son grand tableau. D'accord, j'ai pas de paquet ouvert, mais vous le mettez comme le grand tableau et vous prenez une petite poignée de votre breloque et vous les jetez. Et par exemple, on va dire s'il y a la bague qui atterrit sur le cavalier, on sait qu'on aura des nouvelles concernant une union, concernant un accord, d'accord? Donc on peut utiliser cela aussi. Donc si vous êtes intéressé, ça je l'ai fait pour une classe exprès, parce qu'on voulait fouiller un peu dans la façon de lire les breloques. J'ai une vidéo dessus. Donc ce petit jeu peut être aussi acheté, vous voyez, tout mini, tout joli. Vous l'avez dans un petit sac rouge comme ça, et vous pouvez le mettre dans votre sac, et il va vraiment partout dans vos consultations. Donc si ça vous intéresse aussi, envoyez-moi un mail, je vais mettre mon adresse mail dessous, alexandremusruk@gmail.com, et on pourra, voilà, en discuter, et je vous dirai un peu combien ça coûte, les prix et tout ça, et les envois. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, et bien sûr, je vous retrouverai ce dimanche pour une nouvelle série de vidéos et ça va être très très intéressant. Restez connectés, vous verrez, ça va être formidable. Bonne journée à tous.